tout le monde, c'est Fink43. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Euro Truck Simulator. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. Donc, la dernière fois. Alors, attendez, je regarde bien que vous avez bien les sources. Voilà. Donc, oui, la dernière fois, on est arrivé donc à Bastia. Donc, comme vous pouvez voir, du coup, j'ai fait comme on avait dit. J'ai réparé mon camion. Faudra qu'on fasse le plein aussi. Vu qu'on va en direction de Madrid, ça y est, on va du côté du DLC Iberia. Ça fait tellement plaisir. Bon, on est dans le négatif, mais bon. Fallait le camion, on avait besoin. Donc c'est parti. Faudrait qu'on trouve une station. Donc on livre des scooters, si je dis pas de bêtises, voilà, 9 tonnes de scooters à Madrid. Allez, donc on est parti. On va essayer de bien conduire aujourd'hui. Sachant que j'ai pas encore mon volant. J'espère que ce sera pour bientôt. Ouais, j'espère que ce sera pour bientôt que j'aurai un volant. Vu que j'ai rien contre le fait de jouer avec le clavier, mais bon. Désolé. Ouais, d'accord. Je suis de tout terrain, ça y est. Bravo toi. Ah mais d'accord, il y a eu un accident ici. Allez. Ah là là, les fameuses routes corse. C'est moi une. Wow, premier freeze. Alors attendez, je vais vous montrer le trajet. Du coup, nous on retourne à Ajaccio pour reprendre le bateau pour Sassari. Et après, oh, le détour que ça fait. Donc à Sassari, on reprendra le bateau qui va nous mener à Barcelone. Et après, bah, Barcelone, Saragosse, Madrid. Voilà. Beaucoup de bateaux. Un peu de route quand même. Mais là, on a un meilleur camion. Ah, parfait, on a une station juste là. On est à Pantelleria. Quitte à se mettre un peu plus dans le négatif, on a besoin d'essence. Hein. Allez, hop. Voilà. Oh là là.
crois, à presque 1000 balles, quoi. Allez, c'est bon. Tellement plaisir de pouvoir rouler avec un camion qui ne cale plus. J'avais oublié comment dire, cet aspect-là. Du coup, je vous ai écouté. Hein. Vous m'avez dit de réparer le camion. Voilà, je l'ai fait. Faut peut-être que j'allume les feux. Ah, ils étaient déjà allumés. La police. Allez. Hop, on ralentit, on est en agglomération. Vas-y, tourne-toi. Nous, direction Ajaccio. On va encore plus se ruiner à prendre le bateau. Allez, la deuxième sortie. Sortez maintenant. Voilà. On a décrocté. On arrive à Ajaccio. Je préfère y aller mollo, hein, comme c'est les routes corse. J'ai même pas besoin d'accélérer. Ça y est, on arrive à Ajaccio. Au rond-point, prenez la première sortie. Allez, on prend la première sortie. Sortez maintenant. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Allez, on sort ici, nous. Pas être pressé. Hein. Oh, la police. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Elle, la voiture similaire à une Citroën.
C'est vrai que c'était une Citroën C4. La deuxième sortie, on continue tout droit. Oh, il y a une la jolie voiture là. Ah, pourquoi tu fais ça toi? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi s'arrêter? Vu de l'épingé. On va devoir retourner là. Hein. Pas tout de suite, après. Allez. Wow. Hop, du coup on va à Porto Torres. Réorientation. Et normalement on va devoir rester dans ce bateau là. Pour aller à Barcelone. Allez. Ça y est. Pardon? Même dans le jeu, maintenant, il y a des points d'intérêt? Cool. Ah bah, vous savez ce que ça veut dire, hein? Allez, on va voir le premier point d'intérêt qu'on a. En plus, c'est un succès guide du grand voyageur. Donc, le point d'intérêt de la ville de Barcelone. C'est joli ça. C'est trop beau Barcelone.
Avec le port. C'est trop beau. Allez. C'est reparti. Oh, le téléphérique là-bas. Stylé. Oh, il a du mal. T'as comme c'est trop beau. Je sens pas qu'avant c'était comme ça de Barcelone du jeu. En tout cas, ça circule beaucoup. Au rond-point, prenez la quatrième sortie. Ah ouais, ça roule beaucoup à Barcelone. Mettre des ronds-points, enfin des feux rouges dans des ronds-points, c'est abusé. Vas-y, toi, laisse-moi passer. Merci. Sortez maintenant. Tenez la droite. Je crois qu'ils l'ont refait, ouais, Barcelone. Avec la 1.40, ils ont dû refaire par rapport à DLC Iberia. Tenez la gauche. Allez. Pardon. Allez, on va le dépasser. Tellement classe. J'ai hâte de voir Madrid. Tenez la gauche. Allez, comme d'hab, on va jusqu'à maximum 120, 110. Voilà, je suis à 111. Oula, je suis à 120. Porta de Barcelona. Ça y est, on vient officiellement de quitter Barcelone par les portes de Barcelone, justement.
Ah, il y a un péage là-bas. C'est tellement beau. Je vais aller en Espagne. En vrai. Ouf, j'ai eu un lag en même temps de tourner. Oh oh. Oh oh. Ça, c'est pas cool les pêches comme ça. Bah ouais, mais fais gaffe toi, tu vois pas que je suis en train de passer par là? Non mais ils ont des trucs faits pour eux, ils viennent dans la voie où seuls les camions peuvent passer. Allez. On a 7 heures de trajet encore, les amis. Oh, il y a un contrôle routier. Allez, c'est reparti. Max 110, hein. Waouh. J'aimerais pas regarder en bas. On va monter max jusqu'à 120 finalement. Attention, je double. Allez, il nous reste 6 heures de trajet à travers l'Espagne. Donc nous, on va pas en direction de Lérida. Donc on reste sur cette voie. Nous, on va en direction de Saragosse. Ah, dépêche, dépêche, dépêche. Bon, en attendant, on peut se rabattre.
Allez. Pas cool. T'en as 11 000. Mais laisse-moi ralentir, peut-être. Je me suis pris une double infraction quoi. J'ai pas gagné beaucoup hein. Et quand on regarde c'est pour 27 000 donc on va gagner 15 000. Un super un péage. À l'époque, les péages, ils étaient pas chers. Sauf que maintenant qu'il y a le DLC et que c'est pas au même endroit, je pense à être méga cher. Que cette fois, je me trompe pas. Je vais prendre là. 58 euros. Et du coup, la police est juste derrière nous, super. Donc on va max rouler jusqu'à 90. Passer doublement la police. Ça y est, on est à Saragosse. Il nous reste 4 h 30 pour arriver à Madrid. Allez, comme la police est un peu plus devant. Bon, j'espère pas qu'ils vont aller jusqu'à Madrid. Ouais, non, on reste à gauche. Allez, c'est bon, il tourne la police, parfait. Allez, c'est bon, pas accélérer. Donc max 120, ce qui est la limitation maximum même pour les voitures. Vous allez me dire oui pour les voitures, mais pas pour les camions normalement.
Allez, on reste à droite. Direction Madrid. Trois heures 45. Ah, là-bas, il doit y avoir un point d'intérêt. On n'y passe pas avec tant dessus. Ah, là, on dépasse. Quoi, accident? Ah mince, il y avait une voiture qui me dépassait. Oups. Allez, on va essayer de dépasser dès qu'on pourra. Allez. Il nous reste 3 heures les amis, enfin 3h20. Faudrait qu'on arrive à doubler. Je vais prendre cher si je me fais truquer par un radar, enfin par une voiture de police. Voilà, on peut ralentir. Allez, en double. Autoroute du Nord-Est. Bon, niveau gazole, on est bon, hein. Il nous reste 2h45. Non, toi tu ne doubleras pas. On va essayer de doubler tout l'eau là qu'il y a ici avant de me rabattre. Voilà. Wow. Désolé si vous entendez. Ah putain, de près. Allez, il nous reste moins de 2 heures, les amis.
Allez. Tout droit, il nous reste 1 heure et demie. Je pense que ça fait partie de Madrid, non? Quater, ok. C'était la police. Allez, 1 heure. C'est la dernière ligne droite, les amis. Ça y est, on est à Madrid. Attention, dangereux. Non mais c'est bon, là, droite, gauche. Ah, je suis déjà sorti. Hein. Donc là, on tourne directement à droite. What? Mais c'est quoi ça? What the fuck? Oh. Toujours plus. Bon bah j'ai touché que même pas 11 000. Super. Allez, on y est presque. Et c'est bon. Allez. Je vois le drapeau là-bas. Allez, on accélère. En fait, on les voit même pas dans Madrid. Enfin, pas dans la ville. Attention, je passe. Voilà. Ouf. Ouais, j'escalade les trottoirs, moi. Allez, on est arrivé.
Merci. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Plus 40. Ouais, non, on va prendre le plus 15. J'ai dit, tant que j'aurai pas de volant, c'est mort pour que je fasse en marche arrière. Et voilà. Excellent. Et on vient de passer niveau 15. Génial. Et on va mettre du coup marchandises fragiles. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.